Salut à tous et Kiwi, on se retrouve pour la 14e et dernière vidéo de ce Spider-Man Dimension. Mais avant de commencer, j'ai décidé de chambouler un peu mes habitudes. Donc pour ceux qui sont curieux d'avoir des détails un peu sur les différents costumes du jeu que j'ai débloqués, mettez en pause, allez vous chercher votre meilleure boisson, un truc à grignoter et installez-vous bien confortablement. Pour les autres, faites une avance rapide et on se retrouve au début de l'épisode. Je vais donc vous les passer un par un, mais je ne vais pas lire la description. Je vous laisse apprécier celle-ci en mettant pause sur la vidéo. Allez, on commence par le Spider-Man noir. Concept de Spider-Man noir. Le Spider-Man 1602. Costume de la zone négative. Costume noir Spider-Man. Spider-Man Ultimate. Costume anti-électro. Spider-Man Mangaverse. Spider-Man 2099. Le costume Flipside. La Spider Armure. L'Iron Spider. Spider-Man normal. Bagman. Costume des guerres secrètes. Scarlet Spider et c'est terminé. En tout cas, il y a quelques histoires là que je n'ai pas encore lues. Il faudra que je mette la main dessus, notamment petite mention spéciale à celui-là, au Spider-Man Mangaverse. En plus, l'histoire est assez sympathique. Il faudra que je mette la main sur ça, la Spider-Man, la légende du clan de l'araignée en 2002. Et un autre que j'ai vu, exactement, voilà lui, le Spider-Man 1602, petite mention spéciale, que je trouve ça, c'est sorti en 2003 et 2009, enfin, il a fait deux apparitions, faudra que je trouve ça. Bon, c'est plutôt cool, on va passer maintenant à la fin du jeu, mode difficile. Je suis le maître de la réalité! C'est pas la peine d'en faire tout un plat. Donc on commence par l'univers du Spider-Man noir. Ben oui, c'est fascinant! Raconte! Voilà. Surtout ne pas se faire voir. Attends. Plein de vent, oui. Non! Non, 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 non! Je te trouverai là. Ok, il faut que ma vie remonte là maintenant. C'est important. Plein de vent, oui. Tu oses me
défier. Moi, qui ne fais plus qu'un avec la création. Quelle frime. Tu te prosterneras devant moi. Non, je crois pas, non. Quelle frime. C'est la fin, Spider-Man. Quand je vais t'attraper, mec, ça va te faire tellement mal. Attends. Attends. Ah, putain, mais je fais n'importe quoi. Je suis très intimidé. Il me cherche, là. Il ne me trouve pas. C'est tant mieux. Tu ramperas mes pieds. Quelle frime. Tu ne peux t'opposer à moi. Quelle frime. Oh putain, je l'échappais belle, là. Je l'échappais belle. C'est la fin, Spider-Man. Tu ne peux t'opposer à moi. Ben oui, c'est fascinant. Raconte. Ce petit jeu me fatigue. Stupide insecte. Tu oses t'opposer à un dieu. Hein? Comment? J'entends rien. Je vais t'éclater, Mysterio, si tu savais. Non, à la caméra de merde. Pourquoi elle s'emballait d'un coup, là? Voilà. Ok. Regardez. C'est une araignée minuscule qui s'attaque à vous. Hey, j'aime pas qu'on se moque de ma taille, ok? Ok, on est reparti dans l'univers Ultimate, c'est parti. Il est petit, non? Si petit, tu as vu qu'un ratat pourrait lui servir de piscine. Je suis doué. Allez, tout le monde au lit. C'est bon, c'est fini. Oula. Un autre témoignage de mon pouvoir. Vas-y, montre-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu dois en faire quoi, ça? Petit. Il est petit comment? Oh. Si petit qu'un vulgaire rachat pourrait lui servir de piscine. Ça peut casser la boule. Voilà, comme ça. Ta fin est proche. Je t'ai amené un vieil ami. Ok, toujours plus de boules. Toujours plus de boules. Tu Octopus. Ouais. D'accord. Il est petit comment? Si petit qu'un vulgaire rachat pourrait lui servir de piscine. Non. Vous êtes malade quand même, vous avez des problèmes, hein. Monsieur Mysterio, vous avez de gros problèmes. Voici venir l'anéantissement. J'ai un traitement pour vous. Ta fin est proche. Admire ma puissance. La puissance, rien du tout, ouais. La puissance de ton échec. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on se calme, on se calme. Ok. Tu es si petit. Il est petit comment? Allez, montre-moi ce que tu veux. Minuscule araignée,
disparaître. Je suis de nouveau moi. Allez. Voilà. Non. Si. Allez, deviens violette, s'il te plaît. Tu es si petit. Il est petit comment? Je vais te montrer de quoi je suis capable. Ouais, c'est ça. Non. Mais qu'est-ce que tu fais avec le décor, mon gars? Tu fais n'importe quoi. Tu n'as pas oublié tes vieux amis, j'espère. Tu es si petit. Il est petit comment? Si petit qu'un vulgaire rachat pourrait lui servir de piscine. Tu oses retourner mes créations contre moi? Comment on les enchaîne, là? Déjouer pour toi, petit. Bats-toi pour m'amuser. Non! Oh, c'est plus le temps à perdre avec toi, là. Tu l'as régné. Tu vas disparaître. Attends, mais t'es affaibli, là. Tu peux plus reculer. Oh oui, ça sent bon, ça. Ouh, ça doit faire mal. Et tu tombes. Tu sais que rester sur la terre ferme, ça fait tellement de ce combat commence à me fatiguer. Voilà qui devrait t'achever. Ça devrait, mais non. Ne le laisse pas filer. C'est loin. C'est le bon moment pour attaquer. Allez, on va lui péter sa gueule. Tu vas bientôt t'éteindre. J'imagine qu'il peut faire ça trois fois, c'est ça? Poursuis-le, Spider-Man. Viens m'attraper, ce qui... Je crois que tu aurais besoin d'un peu d'exercice. On dirait bien. Arrête. Tu vas bientôt t'éteindre. Ouais, c'est ça, ouais. Ne le laisse pas filer. Bah, les pattes. Des petits cadeaux pour toi. Hop là. Ah. Besoin d'un peu d'exercice. Merde. Merde. Ta fin est proche. Je crois que tu confonds ma fin avec la tienne. Un truc bizarre. C'est tout ce que tu sais faire. Maintenant. Je pense que là, c'est terminé, là. On ouais, passe ouais, au dernier. Tout cassé. Ça fait du bien ou du mal? C'est dur de savoir. Bon, troisième tentative. Et juste sur ce passage-là, c'est le plus dur. Hein. Les trois autres à côté, c'était vraiment de la gnognotte. Et là, c'est vraiment très compliqué. Faut surtout pas perdre de vie. Alors, il faut à la fois se battre contre ces créatures vertes-là, enfin vertes, violettes, et à la fois éviter les boules qui nous envoient, qui des fois sont très rapides. Voilà, allez.
Allez, pousse-toi là. Raté. Bon, ça a l'air d'être bon signe, parce que normalement à ce niveau-là du jeu, j'étais déjà à midlife. Et là, j'ai beaucoup de vie. Voilà, parfait. On se casse par là-bas. Donc là, il n'y a plus de plateforme ici. Là. Ok. Allez, récupère, récupère. Voilà, nickel, j'ai récupéré tout. Je suis full life. Ouais, 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 ouais. On est reparti pour la deuxième phase. Ça fait mal ça. Aïe aïe aïe. Putain, je me la suis pris celle-là. Ouh. J'ai pas pris de dégâts là. Je suis un peu fier. Aïe aïe. Oh putain, j'ai tout pris dans la poire là, mais merde. Allez. Allez, 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 allez. Oui. Putain, j'ai perdu un peu de vie là pendant que j'envoyais la pierre. Bon, il va détruire cette plateforme. On va aller récupérer ça. Passer à la dernière plateforme, donc la dernière phase. Allez. S'il te plaît. Ouais. Ouais. Non. Merde, j'ai pris trop de dégâts là. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, non. Ils arrivent encore à me frapper hein. Raté. Allez, vas-y. Bombarde-les.
Je t'en prie. Au niveau vie, là, je suis vraiment très très bien, là. Oui, oui, oui. Allez, vas-y, c'est bon ça, c'est bon ça. Aïe, aïe, aïe. Ça sent bon la fin. Non, arrête. Je vais te donner la tablette. Je te donnerai tout ce que tu veux. Non. 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 Oh, j'en ai des frissons. Une bonne leçon pour les super-vilains en herbe. Quand vous détruisez les dimensions et défiez les gentils, prenez garde. Vous risquez de déchaîner des forces qui vous dépassent. Comme le pouvoir palpable de quatre formidables Spider-Man. Hé, la tablette! Oh, elle sera à moi, elle sera... Faut savoir laisser tomber. Et à ce propos, tu devrais apprendre à compter. J'ai l'impression que tu fais pas le poids. Messieurs, je déteste ce mec-là. Oh, allez, c'est trop sans sas de lui claquer la face. Toi, tu vas morfler! Bien joué. Les murs de la réalité se reconstruisent d'eux-mêmes. Maintenant, vous devez tous regagner vos dimensions. À un de ces jours, ancienne et moins belle version de moi. Quoi? Eh, je viens du futur. Pour moi, vous êtes tous de l'histoire ancienne. C'est bon de savoir qu'il y a un futur, et des mecs comme toi pour continuer la lutte. Ouais. Salut les gars, la prochaine fois restez un peu, on pourrait faire un club de bridge. Allez viens Miss Lee, en route pour la garderie des super vilains. Merci Spider-Man. Tu peux être fier de voir que ton héritage va pouvoir perdurer dans le temps et l'espace. Ouais, ce type était plutôt cool, mais il faut bien l'avouer. Entre quatre Spider-Man différents. Une chose est sûre, c'est que... De tous les quatre... Je suis le meilleur. Oh, c'est vraiment stylé. Ainsi, enfin, l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Et qu'avons-nous appris aujourd'hui, Marvelite? Que peu importe dans quel coin du cosmos vous vous trouvez, il y aura toujours un Spider-Man dans le voisinage pour vous sauver. Et à vous tous, maîtres de la toile, je dis fièrement... Excelsior! Et c'est un niveau terminé, ça y est, on a terminé le jeu. Ah, c'est vraiment génial. On va donc maintenant passer au artwork et on se retrouve dans le générique de fin car j'ai quelque chose d'important à vous dire. Bon, c'est parti pour les croquis. On va commencer par ceux-là, je vais les mettre en plein écran et les laisser défiler. Je vous laisse mettre encore une fois la pause sur l'image si vous voulez les contempler d'un peu plus près et un peu plus longtemps. Allez, c'est parti. On passe au croquis suivant.
Bon, on passe au croquis des dimensions noires. Les croquis de la dimension 2099. La dernière série de croquis, il s'agit de cela, avec de nouveaux costumes dont je ne connais pas la provenance. Ouais. Donc s'il y en a qui le savent en commentaire, n'hésitez pas à me le mettre, ça me fera plaisir. Et c'est fini. Bon, je vous ai passé les figurines, hein. Il s'agit de tous les personnages qu'on a croisés dans le jeu. En format figurine, genre on peut les faire tourner sur elles-mêmes, zoomer, dézoomer, etc. Les cinématiques, ben, vous les avez toutes vues tout au long de l'aventure. La biographie des personnages, je ne vais pas toutes vous les montrer. C'est pas super intéressant. Ah, par exemple, voilà ce que ça donne pour Deadpool de l'univers Ultimate. Voilà, c'est pas. Il y en a beaucoup. On peut regarder aussi celle de Carnage. Voilà, celle de Mysterio. Et on va s'arrêter là. Voilà, voilà, voilà. Il est magnifique ce générique de fin. Et rempli de petits trucs cool si vous prêtez bien l'attention. Et c'est ainsi que s'achève notre aventure sur Spider-Man Dimension. Je vous dis un grand merci à tous, comme d'habitude. Un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, car j'ai remarqué que vous êtes plus de 87% à me regarder et à ne pas être abonné. Donc si vous aimez ce que je fais, faites-moi péter la barre des abonnements. Ça me fait toujours un petit quelque chose, hein, de terminer un jeu Spider-Man. Je m'approche petit à petit de mon objectif pour pouvoir vous proposer plus qu'un let's play sur les deux derniers jeux en date que je ferai entièrement à 100%. Clin d'œil encore une fois à Comme Get Some, le poteau, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait du très bon contenu. Et pour terminer, restez bien jusqu'à la fin du générique, car il y a une petite surprise. Salut les petits amis, portez-vous bien, bye.
J'ai raté quoi? Mais qu'est-ce que... Ça suffit, les enfants. Ça suffit.